Je réunis dans le bol de mon robot tous les ingrédients de la pâte à l'exception de l'œuf. Puis je pétris à la feuille. J'ajoute ensuite l'œuf. J'étale la pâte sur une épaisseur de 3 mm entre deux feuilles de papier sulfurisé. Et je place au réfrigérateur pendant au moins une heure. Pour la crème d'amande, je mélange à la feuille le beurre, pommade, avec le sucre, la poudre d'amande. Puis j'ajoute l'œuf. Je réalise mon sirop en mettant dans une casserole l'eau et le sucre. Une fois le sucre fondu, j'y ajoute les cubes de pommes et je cuis à couvert, laissant une petite ouverture et je cuis jusqu'à évaporation du liquide en remuant toutes les 5 minutes pour pas que les pommes accrochent. Je récupère mon disque de pâte refroidi et je vais foncer mon cercle de 18 cm de diamètre. J'ai foncé mon moule, recoupé les bords et puis avec ces bords j'ai fait des décorations. Je mets ensuite des haricots secs sur le dessus et j'enfourne pour 20 minutes à 180 degrés. Une fois mes pommes caramélisées, je laisse refroidir. Alors, j'ai décerclé mon fond de tarte, je l'ai refroidi, j'ajoute maintenant ma crème d'amande, j'ajoute les cubes de pommes et j'enfourne pour un quart d'heure à 180 degrés. Dans une casserole bain-marie, je fais fondre mon chocolat blanc. Je verse la crème fraîche, 52 g. Un peu de vanille liquide. Le reste de crème fraîche. Puis, je place au frais toute une nuit, recouvert d'un papier film. Et je n'aurai plus qu'à monter cette ganache demain au fouet. Ma tarte est cuite, je la place au réfrigérateur. Le lendemain, je fouette ma ganache. Je recouvre ma tarte d'une couche de ganache. Ensuite, je place un cercle au centre de la tarte et je répartis les pommes. Je retire le cercle. Je mets le reste de ganache dans une poche munie d'une douille unie. Et je poche sur tout le contour. Je n'ai plus qu'à badigeonner le dessus des pommes de confiture d'abricot tiédi au micro-ondes pour rendre plus brillant. Je place au frais jusqu'au moment de servir.